Bon, allez, ensemblons Staron. Si j'arrive à prendre la caméra. Mais ça me paraît un peu tôt. Je pensais que c'était plus tard qu'on devrait jouer. Ça me paraît étrange. Attendez. Je vais lancer le jeu et je vais voir. Est-ce que j'avais foiré mes trucs? Ensemble Stars. Ensemble Stars. Il y a un tas de zombies! Il y a un tas de zombies, alors ça je vous le montre. C'est l'anniversaire de Jun-kun! Voilà, donc il n'aura pas de gâteau, mais c'est l'anniversaire de Jun-kun! Ça fait des diamants gratuits. Merci, au revoir à jamais. Ouais, non, c'est une demi-heure un peu trop tôt quand même. On a encore 28 minutes à attendre, c'est ce que je me disais, c'est... Jun-kun, 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 Jun-kun! Wataru, il a encore fait le zombie. Il a encore semé la panique, il va faire ça tout l'été, j'ai l'impression. Ouais, donc c'est ce qui me semblait, hein. On a encore une demi-heure devant nous. Mais c'est parce qu'on avait mis 300 ans à avoir des lives, donc on va attendre. À dans une demi-heure, ensemble Stars. Voilà. Mais au moins, on aura vu Jun-kun. Pensez à Yori. Aka Rika. Dire que c'est la même voix. Personne ne comprend ce que je raconte, mais c'est pas grave. Boule et fil, passage des aiguilles mène à la B8 à bon port. Oh non, encore. Jun-kun, 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 Jun-kun. C'est terrible. J'ai mal à la tête. Bien. Je t'asperge. Paf. Alors. Ah, fallait que je me dépêche. Ok. Fallait que je rush. Ok. Alors... Ah! Qu'est-ce que tu fais? Mais meurs! Merci! C'était ridicule! Mais on a réussi! Mais c'était ridicule. Ça va swinguer par vie du parapluie. Esquive les billes pendant 30 secondes. Oh. On sent la motivation. C'est un cri qui vient du fond de l'âme.
peux pas essayer de les casser. C'est déjà ça en moins. Oula, non, merde. Dommage, j'étais pas loin. Ah bah c'était le cri de motivation ultime. Donc lui, on va se débarrasser de lui tout de suite. Oula, oups, j'ai mal contrôlé mon dash parce que enfin j'ai essayé de sauter genre hop là et j'ai mal contrôlé le retour et mais oui du coup coucou James Space et salut aussi Moustique. Alors on reste concentré. Reste concentré, on fait doucement. Là, on lui nique sa gueule. Oui, mais ne pas rester dans son champ de vision, c'est pas mal aussi. Je peux ancrer les bords de la plateforme sur la droite et rester planqué tout le long. Ouah. Je pourrais, mais ce serait un peu triché. Mais je note. Pour le cas où, comme ça, on sait jamais. Non. Alors. Voilà. Ah zut. Ah si près du but. Près du but. Il y a des Nintendo. Bon, au moins on peut les D5. Genre en pétant quelques-unes, c'est déjà ça. Je vais y arriver. À force d'acharnement, je vais y arriver. Genre, ça compte pas. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était systématique, je voulais juste tester, mais des fois ça pète les balles et des fois non. Alors je voulais tester, j'ai testé, j'ai regretté. Mais c'est pas grave, c'est pour le fun. Genre là ça marche. Dommage. Toujours, toujours aux environs de 1,25, 1,55 que je me fais avant. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie de changer de côté. Non mais je vais m'acharner, ça finira par marcher. Il n'y a que en s'acharnant que ça marche.
c'est ce qu'on va faire. On va s'acharner bêtement et salement. Jusqu'à obtention du résultat escompté. J'aurais pu prendre la boîte d'œufs. Oh zut! J'ai pas fait gaffe au sniper. Tellement concentré sur les boules que je fais pas attention aux traits. Voilà. Deux boules de glace. Oh non, mais prendre son temps et analyser, franchement, c'est surfait. En vrai, c'est une bonne méthode. Faites pas comme moi. Alors, non merde, je pensais que j'étais assez décalée. Je vais mettre ça sur le dos de la vieillesse. C'est ma perception de la profondeur qui est plus la même qu'à l'époque de ma jeune jeunesse. J'en suis à ma jeune vieillesse maintenant. Du coup, je perçois moins bien les choses. C'est des trucs de jeunes, ça. Oh! Je pensais que je pouvais passer entre les deux. On la sent drôlement dans ta voix. Ah bah oui! Ah oui, toujours. Non, mais c'est parce que j'ai réussi, grâce à une technique de maîtrise de cordes vocales avancées, à préserver plus ou moins une voix qui semble jeune. Mais alors que je suis une vieille dans un corps de vieux, enfin de vieille, enfin je ne sais pas, dans un corps étranger. Alors, on fait de l'esquive entre les boules, oui, 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 on tient bon, on tient, et voilà! Zigzag, slalom, paf, ça va swinguer, bébé! On va mettre ça sur le dos du rhume. C'est parce que je suis malade, je suis fiévreuse, alors je délire. Attention où tu mets les pieds, si t'es pas ta bulle. Y a pas à dire, c'est quand même plus simple que Hollow Knight. Alors, on nous conseille le badigeonneur ou le bim bam boum. Bah testons le badigeonneur. Oh ça va, il charge vite celui-là. Alors. Ah oui d'accord, c'est des plateformes invisibles comme dans le mode solo. J'ai raté un ballon. Ah oui, d'accord.
J'y vais avec le meilleur timing possible. Mais ça passe. Ça va. Qu'est-ce que tu fais, petit chat? Ah ah, ils sont en dessous. Eh bien, tant pis. En fait, non, ça. Est-ce qu'il reste quelqu'un? Ah oui, lui! Tant pis! Voilà! Bah oui, bébé! Qu'est-ce que tu veux? Parle-nous de moi. Enfin, que je vous parle de moi. Eh bien, j'ai actuellement un bébé chat sur les épaules. Bonjour. Voilà. À la base, j'avais commencé à streamer Hollow Knight, mais ça ne s'est pas très bien passé. Alors du coup, je me suis dit, on va jouer à autre chose. Sinon, bah, j'essaye de streamer le plus régulièrement possible, à savoir un petit peu tous les jours, mais malheureusement, je fais beaucoup de migraines et j'ai également une dépression qui fait que c'est pas facile tous les jours. Donc je fais de mon mieux. Là, aujourd'hui, ça allait à peu près. Je commence juste à avoir un peu mal à la tête, donc je fais gaffe. Mais globalement, pour l'instant, ça va. Et donc, comme je disais, Hollow Knight, ça s'est pas très bien passé. Du coup, j'ai changé de jeu. Je fais beaucoup de jeux Switch. C'est un peu ma console coup de cœur. Je joue pas beaucoup en multi. Je suis plutôt du genre à jouer solo. En général, les multi que j'ai fait, c'est genre les Splatfest, donc c'est dire la gueule du multi. Aïe. Non ! Puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? J'essaie de faire en sorte que les streams soient regardables, slash agréable. Là, c'est vrai que j'ai pas eu grand chose à dire parce que je suis assez concentrée sur le jeu. Vu que ces niveaux-là sont quand même pas forcément faciles, mais ils sont vachement intéressants, je trouve. Ça change beaucoup de ce qui était proposé dans le mode solo de base du jeu. Donc du coup, il y a des fois, je suis un peu concentrée, mais c'est pour le bien de tous. Zut, j'avais gardé la touche appuyée. Et voilà. Alors, c'est où la fin? Bientôt. Mais oui, bébé. Vite. Est-ce que je peux le faire? Oui. Très bien.
Sinon, donc oui, c'est vrai que je fais beaucoup de jeux Switch et là j'attends Dead Cells. Il est sorti en démat, mais je l'attends en physique, donc c'est vrai que l'attente est un petit peu longue. Oh, on a tout récupéré! Nice! On va pouvoir tout lire. Mais j'attends donc le physique. Donc c'est vrai que comme j'ai très très hâte de jouer à ce jeu, l'attente est longue. Alors, on a des Rangers Octaling Neo en poche, très bien. Consultons donc ces babioles que nous avons récupérées. Partout, tout le temps, tu es là avec tes yeux de merlan. Les derniers jours de l'été, ce feu d'artifice que tu as tiré, je l'ai vu de près. La mer et ton moteur rugissent, je cours, tu écrases la pédale. Les problèmes empilés un à un sont réglés et la joie revient. Foulée aux pieds, une amitié explose. Où la route te conduit, il n'y a que toi qui le saches et celui qui te suit. Des profondeurs, tu jaillis, les yeux trop pleins encore de nuit vers la lumière. Le ciel se couvre, les étoiles se voilent, mais la lumière brille en moi. La lumière joue sur l'or pur de tes écailles, ton éclat me ravit. Et après, c'est sur la ligne D. Ça nous fait trois lignes de complète. Nice. C'est pas mal. Ah oui, ça doit compter pour le F en fait, parce que au niveau des bidules, la ligne C elle est complète. Très bien. Et après, on aura un machin. Les ambitions sur Twitch, même si vu mon nombre de follow, tu penses que la commu est déjà créée. Ben, j'aimerais bien pouvoir. On va pas dire vivre de mes streams parce que c'est extrêmement difficile de nos jours. Au début de Twitch, ça aurait été possible, de nos jours, c'est compliqué. Il faut avoir les bons RT, les bons machins. Mais si ça se fait quand même un jour, pourquoi pas. Mais après, mon ambition sur Twitch, simplement de jouer un peu à des jeux que j'aime sans prise de tête si possible, de faire en sorte que les gens passent un bon moment, tout simplement. Non, je vais pas venir en multi pic. Désolé. Et salut l'Overlord. D'accord, donc il faut reconstituer. La même sculpture. Très bien. Mais en tout cas, oui, non, en général, j'essaye de faire en sorte que qu'on soit plutôt chill. Et puis voilà, tout simplement. Que ce soit pas trop chiant. Enfin, que ce soit pas trop chiant à regarder, ça dépend du jeu que je fais. Ça dépend du jeu que je fais. Alors. Donc on a un avec les pattes. Ah, quoique. Attendez. Non, il y a le truc qui est en avant. Donc. Je peux casser encore un coup les pattes. Donc, en théorie, si je me trompe pas, je peux casser ça. Voilà. Et c'est là que je dois casser au milieu. Très bien. C'est déjà un peu mieux. Ensuite, donc on a un carré de 4. Ici, on a un carré de 4. Et là, on peut tirer. C'est ça. Genre là, typiquement, ce niveau, je vais être plus concentré sur. sur. Comment je compte mes caisses que sur les trucs à raconter. On va faire le cul du chien, ce sera facile. Donc au milieu. Et il faut casser 3 en hauteur de chaque côté. Donc au milieu et 3 en hauteur. Voilà. On a fait le cul du chien.
On a un carré au niveau là. Et là, je peux casser, en théorie, si je me trompe pas. Voilà. Ce qui me permet de monter. Très bien. On prend les repères qu'on peut prendre. Hein. Bah écoute, pourquoi pas, allez-y, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, effectivement. C'est vrai qu'en général, je pense pas à demander aux gens d'où ils viennent et ce qu'ils font, mais c'est vrai que ça peut être l'occasion d'apprendre des choses intéressantes, donc vas-y. Donc pareil, un carré de 4 et on peut péter au milieu, ici. Et au-dessus de ce carré de 4, pareil. Très bien. On va faire pareil de ce côté-là. Il y a bien 3 et... C'est un peu stressant parce que je suis toujours là à me dire est-ce que c'est le bon carré? Eh bien tu es Jérém. Voilà, c'est une très bonne présentation. Simple, efficace. Je trouve que tout a été dit. Donc en théorie, ce carton là, hop, donc là on a la même chose. Ensuite, on peut casser là, je me recule un peu. Voilà. Et donc là, là on touche à rien. Et il faudrait péter les boxes là. Donc là, il va falloir commencer à tailler la tête du chien. Une petite coupe de chien. Donc ça, c'est plus en avant. Donc on peut casser là. Voilà. Et là, maintenant, il faut réussir à casser au milieu. Et il y a encore une épaisseur en fait. Ah oui, il y a ça. Oh tiens, il y a un bouton. Il n'y a pas des trucs que je peux ancrer ? Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je casse? Oui, il faut que je casse encore ces deux-là. C'est ça. En fait, c'est toute la ligne qu'il faut que je pète. Et vous allez voir que c'était pas ça, et je vais me faire incendier. Non, normalement, c'est ça. Fou! Jérém Space, ancien joueur pro de Splatoon 2 et maître des bulles. Incroyable. Ah, c'est clair que... Le pro de Splatoon, ça a l'air d'être vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, les matchs que j'ai pu voir, c'était vraiment impressionnant. Ah ah! Pour une fois, ceux-là, ils sont simples à prendre. Bon, ça va, c'était un peu stressant sur la fin parce que j'avais peur de casser les mauvaises boîtes, mais c'était intéressant comme truc, je trouve. Bah, c'est vrai que le multi de Splatoon 2, je le fais pas souvent. Le plus que je fasse, le plus que j'ai fait en multi, ça a été le Splatfest. Et de manière générale, simplement les guerres de territoire. J'ai un peu fait en rank les guerres de zone, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Où là j'ai un rang A et les autres expéditions, je suis pas trop à l'aise. Mais après ouais, c'est clair que effectivement le pro c'est bien, mais avec une team c'est mieux. Oui voilà, défense de zone, c'est ça.
du nouveau dans les conversations. Très bien. Alors, me revoilà. Ah bah quand même, t'étais où pendant tout ce temps? Désolée, fallait que je me repose un peu. Attention, elle revient. Chut. Elle est même déjà là, papy. Bon, Coralie, t'es grillée. Papy t'a trouvé sur sa liste top secrète. J'avoue, c'est ma faute, c'était nul d'aller fouiller dans ton passé, désolé. Je sais pas quoi dire. Le truc, c'est que papy, il quittait de l'octarien à tour de bras quand il était jeune. Mais c'est fini tout ça, hein, papy? Si t'aimes les Calamazones, je t'ai à la bonne. Tu vois, c'est tranquille. Tranquille. Si t'aimes les Calamazones, je t'ai à la bonne. Vous l'avez déjà dit, papy. Non, mais sérieux, ça change rien. Inkling ou octarienne, c'est toujours toi. Alors, je peux rester à Chromapolis? Hein? Mais c'est quoi cette question? Bien évidemment. Oh, merci. Sniff, sniff. Mais arrête, pleure pas. Numéro 8 est aussi un poulpe, mais qui aime les Calamazones. Tout à fait. Ah mais oui, tu viens de tilter. C'est pour ça que j'ai trouvé un air de ressemblance avec Coralie. Putain, mes perles. Grand esprit. Je l'ai tout de suite vu. Son âme a été éveillée comme la mienne par les Calamazones. Tout ce qu'on veut, numéro 8 et moi, c'est vivre en paix parmi les Inklings. Eh bah c'est pas triste. On va tous se serrer les coudes et ça va le faire. T'as raison. On fera tout ce qu'on peut pour t'aider, numéro 8. Continue et ne perds pas courage. Il faut que je me mouche. Ok, c'était pas la peine de l'écrire, mais ok. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Très bien. Oui. Allons chercher le machin! Le pro, comme dans tous les jeux, sont cool, mais il y a aussi des gros problèmes. Tout à fait, c'est ça. C'est, il peut y avoir une bonne communauté, comme il peut y avoir une communauté dégueulasse. On peut être entouré de gens cool, comme on peut être entouré de gens dégueulasses. Ça dépend des jeux en ligne. À chaque fois, il y a selon de bons et de mauvais. Et alors, j'ai Discord, oui, mais je l'utilise quasiment jamais. Même mes proches, à chaque fois, ils me rappellent. Ah oui! Donc ça va vraiment être un robot mixeur ce truc. Même mes proches des fois ils me rappellent « Oui, ce serait bien que tu te connectes à Discord, on a posé des trucs dessus. » Ah ! Je pense jamais à l'utiliser. Donc il est vrai que Discord existe sur mon PC, c'est installé. Mes compliments, tu as trouvé le second machin. Déjà la moitié en si peu de temps, voici un spécimen de plus en plus fascinant. Je vois... Ah oui, attendez, attendez. Je vois. Ainsi, les quatre machins n'ont pas la même taille ni la même forme. On dirait des pièces à imbriquer, mais pour fabriquer quoi? Mystère. Oui, donc oui, non, clairement, oui. C'est bien ce que j'avais dit. Leur machin, ça va être un énorme robot mixeur. On a les lames, on a la base. Il nous manque quoi? Le pot là, en plastique ou en verre, peu importe. Est-ce que le couvercle va compter comme pièce à part? Et voilà, je me suis fait embrocher. Braf! Pardon. C'est chouette, je sens qu'on va avoir une bonne idée, un bon moment dans le... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Leur paradis terrestre? Ou leur... je sais plus quoi. Non mais ça va, c'est ma voix de petit vieux, je suis habituée. On dirait des petits vieux asthmatiques, mais il y a un parapluie qui a été abandonné ici. J'aime bien le bruit de ces machins. Bref, retournons en enfer. APP, c'est parti. Ah, il est pas mal hein, sur le timing, papy. Parler de goûter alors qu'il est bientôt 18h. Oui, voilà, ça va finir en jus de fruits, leur fameux paradis. Ah, tu parles au niveau e-sport, bah oui, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, essayer de monter une team avec ses potes, c'est jamais facile parce qu'il faut que tout le monde ait le même emploi du temps ou que tout le monde puisse se retrouver facilement. Enfin. C'est pas facile, donc c'est pour ça que je préfère jouer tranquillement, de mon côté. Easy, quoi. Ah, on va découvrir une nouvelle ligne. Les pistons de la mort qui tue. Parfait. Place de la Discord. Discord, pardon.
Esquive tous les dangers jusqu'à l'arrivée. Ah! Encore de l'esquive. Bien. Ma spécialité. J'excelle. Oh, ça va être chiant. Oh, on a 5 vies, très bien. Ça va vraiment être chiant. Ils sont jolis ces disques. Ça va. Je m'en fiche. Je laisse tomber les. Je laisse tomber les. J'allais encore dire les oignons de calamar, mais les calamars frits. Ah! D'accord, c'est genre ça se remet tout de suite. Je connais pas Smite. Non, fallait pas tirer. Ouf. Oh, pourquoi est-ce qu'elle a pas sauté sur l'autre ligne? Dommage. Donc là, on va rester comme ça. À la limite, je vais juste rester là, en fait. Voilà. On va se la jouer simple. Oh putain. D'accord, ok. Oui, j'aurais peut-être dû tourner à un moment. Si j'oublie de tourner le machin. Ça va pas le faire. Alors. Ok. Oh là! Ça passe? Oui, ça passe! Ras des fesses, mais ça passe! Smite, c'est LOL, mais en 3D. Ok. Tu kiffes bien la compétition, t'as dégoûté, et 2 semaines après, on t'a volé ton compte. Ah merde! Que t'as mis 1 mois à récupérer. Putain, la vache! C'est assez violent. C'est vrai que moi, je suis pas très LOL, mais souvent tout ce qui est LOL et ses dérivés, ça a souvent tendance à avoir des communautés assez toxiques, et il faut vraiment avoir de la chance pour trouver une bonne communauté. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'être bien entouré dans ce genre de jeu. Mais j'ai l'impression que souvent, ouais, c'est des communautés qui sont rapidement toxiques. J'ai pas mal de gens qui, à moins de jouer entre potes, refusaient de jouer en team au hasard parce que ils savaient très bien que ça allait mal se finir ou que... que je ne sais quoi. D'ailleurs, oui, j'avais récupéré. Oui, c'est bon. Oh là! Oh, j'aime bien son bruit. Le bruit du blobfish. 13 ans. Alors, donc on a fait la ligne C. La ligne D, c'est laquelle? C'est celle-ci? Oui. Donc ça, on l'avait fait. Envoie ses caisses à la casse. Planète manette. Détruit toutes les caisses en un tir. Donc j'imagine qu'il va y avoir des faux goûts. Effectivement. On a le choix entre un extracteur et un extracteur plus zoom. Pour moi, ça change pas grand chose. Je suis pas à l'aise avec les snipers. C'est
c'est le meilleur niveau pour farm des points Kurbit. Oui, bah j'imagine que si tu trouves le bon rythme, si tu trouves le bon truc, tu peux farmer le niveau assez facilement. Ah, dommage, j'étais pas loin. Mais oui, clairement, si, si t'as le repère et si t'as... oui, bah si t'as le repère et le bon rythme, oui, c'est clair que tu peux farmer des points assez facilement. C'est rapide. Ah, pareil, toujours deux caisses. Je vais trouver. Je vais essayer de commencer par celui du bas. Ah, dommage. Une caisse! À une caisse près. Ça marche mieux par en bas, ouais. Et voilà. Ouais, effectivement, on va aller passer par en bas. Mais c'est vrai que, ouais, 1100 points pour ça, c'est vrai que ça peut être un bon niveau pour farm les points si jamais on en a besoin. Chose qui, j'espère, n'arrivera pas. Mais, ouais... Je comprends que ce soit à ce niveau-là qu'il soit choisi en général pour le farm. Encore au sniper, oh. T'as mis une vidéo sur Twitter où tu le réussis en deux tirs. Merci en tout cas. Alors, serre des sangles, une ascension à sensation. Atteint l'arrivée grâce à tes armes principales et secondaires. D'accord. Non, il garde pas le... Si on se transforme un peu, il garde la charge, mais si on se transforme trop longtemps... Ah non! Ah, si, au bout d'un moment, il la relâche. On le voit sur le truc, ok. Oui! Ok. Ok, donc non. Vaut mieux passer par la grenade. Je vais attendre qu'il revienne. Ah, dommage. Trop lent. Dommage! Voilà. Est-ce que je peux le viser d'ici? Non. Lui, il peut, mais pas moi. Non mais... Ce coup de bol, je pensais que j'allais mourir. À la fin du DLC, tu débloques un distributeur et contre 15 000 points, tu peux changer un prix, mais il y a pas mal de trucs intéressants. 14 tickets de boisson d'un coup. Ah oui, effectivement, donc oui, ça peut valoir le coup de farmer. Le bon timing. Oui, d'abord je vais recharger. Ah! Magnifique mode de déplacement. Oh, et en plus je le rate. Alors,
Ah oui, oui, donc oui, non, oui. Ouh, ça passe. Alors. Aha. Bon, ça va. Ça va. Bon, il est presque 18h. Je commence à avoir pas mal mal à la tête. On a découvert une nouvelle ligne avec un nouveau machin. On va aller chercher la récompense et puis on va aller faire un tour en ville et puis je vais m'arrêter de stream parce que ouais, là je commence à avoir mal à la tête de manière un peu gênante. Ils sont tellement massifs. Je me souviens que c'est censé être des poissons tout petits ou je sais pas quoi. Ou des créatures toutes petites et ils en ont fait des trucs massifs. C'est génial. Mais je sais plus comment ils s'appellent. C'est pas des poissons anges ou je sais plus quoi. Bref. Alors, faut qu'on aille imaginer Chromapolis. Imaginons Chromapolis. Waouh. Et faisons un tour de shopping. J'ai pas fait les magasins depuis longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Splatoon par contre. Ouf. J'avais même pas fait les derniers Splatfest. C'est dire. Alors. Que proposes-tu aujourd'hui? Oh, et je vais regarder sur Céphalochic aussi. Allez, perdons du temps. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de jouer Ensemble Stars. Terrible, je jouerai après. Qu'est-ce qu'on a chez Céphalochic? J'ai pris l'application Splatoon uniquement pour Céphalochic parce que leur truc sinon c'est de la merde. Eh bien, je ne vois pas grand chose qui m'intéresse. Éventuellement ça, mais je crois... Je sais pas si je l'ai déjà. J'ai déjà passé une commande. Ah mais je crois que je l'avais déjà, donc oui, non, c'est bon. Hop, voilà. Pour aller chercher notre truc chez Céphalochic. T-shirt Madame Plouf, j'achète. Non. J'achète. Non. Incroyable t-shirt. Blouson Esco Grenat. Ah bah justement, là j'ai un coupe-vent Esco Safran à aller chercher. Très bien. Chaussures. Ah. Avec des grosses chaussettes qui ressortent, c'est vachement bien. C'est magnifique. Non. Et les chapeaux. Oh bah, oh bah non, j'ai rien à acheter, je suis triste. Oh. Je suis très triste. Bon, c'est bon, je l'avais pas celui-là. C'est vrai que les dernières commandes que j'avais fait c'est chez Céphalochic, que j'avais déjà eu des machins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que celui-ci je l'ai? Ah, c'est le moment du shopping, c'est le moment le plus intéressant. On est bien d'accord. Ah, oh, je l'ai déjà.
Je l'ai déjà, je garde. Quoique la jauge spéciale plus, c'est pas mal quand même. Mais je garde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que celui-ci je l'ai? Très bien, ça je l'avais pas. Ce magnifique bandeau de basket. Attention, attention. Je ne l'avais pas non plus, incroyable. Et le casque coloré, il me semble que je l'ai, mais dans le doute. Alors, ouais, non, je vais garder celui que j'ai. Très bien. Très bien, très bien. Bon, et bah du coup, les gens, je vais m'arrêter là. Est-ce que je peux équiper... attendez. Juste avant de s'arrêter. Juste avant de s'arrêter. Est-ce que mon personnage peut équiper... Ah non, faut peut-être que je finisse le DLC d'abord. J'ai pas l'air de les avoir. Ouais, non, je pense qu'il faut finir... Ouais, faut finir le DLC avant. Ok. Bah oui, déjà la fin, j'ai commencé vers 14h. Et puis là, comme je disais, j'ai mal à la tête. Donc je vais pas forcer. Et je vais simplement aller me reposer un peu. Parce que, bah, comme je disais, je suis sujette aux maux de tête de manière assez fréquente. Et ça peut souvent dégénérer en migraine. Donc, ça peut être plutôt chiant. Du coup, oui, je vais m'arrêter là, mais je ne doute pas qu'il y a plein d'autres streamers à regarder. Sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine, si tout va bien, potentiellement demain, j'espère. Sur quoi, je sais pas. Peut-être sur du Splatoon, peut-être sur la suite de Hollow Knight, si j'arrive à me remettre de mon échec cuisant, de mon humiliation. On verra bien. Du coup, des bisous tout le monde, merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine. Salut, salut!